ってやるぜ。Hey les amis, c'est Letko, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo sur le Dreamco. Dreamco avec Haas et Christiansen, les deux joueurs danois qu'on voit dans Golden 23 qui font partie d'un programme qu'avait mis en place le Japon pour des matchs amicaux avec le Nigeria. Au Tchad, peut-être Super Dreamfest, enfin Super Dreamfest, pardon. Espérons en tout cas, on l'attend avec impatience, le Haut Shadow, soit Nigeria ou soit avec le PSG. Donc voilà, aujourd'hui, Christiansen et Haas, donc deux joueurs européens, attaquants, qui je me rappelle, j'avais lu le manga il y a peut-être maintenant un mois et demi, à peu près. Ils avaient décidé de faire mal à Gito, je m'en rappelle. C'était leur cible, de blesser Gito et... Bon bref, je vous laisse regarder le manga pour ceux qui l'auraient pas lu. C'est parti. On va voir ça tout de suite. On va voir s'il y a des news. Alors, tac tac tac. On va voir ça tout à l'heure. Donc Yuga et je crois que c'est Alberto Dreamco qui sont en rate-up pour ce Dreamco. Ok, on va dans l'info, on va voir s'il n'y a pas quelque chose qui s'est caché. Aussi, autre news, ceux qui l'auraient raté sur Twitter, pour le jeu Rise of New Champion sur PS4, Switch et PC, le trailer Brésil est sorti. Voilà, le trailer Brésil est sorti, il est beau gosse. Carlos Barra, pourquoi? Parce que... avant que Carlos Santana se réappelle, récupère son nom de famille d'origine, Barra c'était le propriétaire du FC Barra qui l'avait exploité pour qu'il joue au foot pour son équipe, etc. etc. Et voilà. Donc je vous laisse lire le manga pour ceux que ça intéresse. Donc voilà. Voilà, Carlos Barra. Carlos Barra, Alberto, il y a Kelzinho, je crois, c'est le gardien de but. Et Luciano Leo. Ah bah voilà. On a des scénarios secondaires. Ça c'est cool. On va récupérer des petits Dream Balls. Ça c'est bien, ça, de la part de club de mettre ça. Les compétences potentielles de Mario Nielsen. Ok. Bon, des Dream Balls, les soldes de Dream Ball, ça on a l'habitude. Et bah écoutez, c'est parti. Hop. Allez, je crois que c'est Christiansen le premier. Non, As. Non, c'est As. Le géant des surfaces, il est vers 1114 en endurance. Golden 23, comme je vous l'ai bien dit. 21697 en attaque. 6005. Enfin, on va arrondir à 6006 en dribble. 7716 en tir. 7384 en passe. C'est des stats sympathiques, c'est pas un truc de malade mental, mais c'est bien. 16006 en défense, 6000 en tacle, 5007 en interception, bon contre, on oublie. Physique, 20224, 5880 en rapidité, quasiment 8000 en puissance, ça c'est pas mal. 6364 en technicité, c'est bien, ballon haut, très bon. Donc pour ceux qui ont lu le manga, vous comprenez pourquoi il est très très bon en ballon haut. C'est un peu un sorte de Margus, hein, tu vois. Il a un jeu aérien assez fort, le As. Il a une cohésion non-jap, plus 15%. Donc c'est un peu dépassé avec les nouveaux leads à 20. Donc bon, on n'utilisera pas son lead. Donc, intensité de la TS sur ballon flottant haut, 30%. Ouais, là, c'est pas mal. 30%, c'est pas mal. Mais ça augmente pas les stats. Ça, c'est un petit peu dommage. On verra avec l'éveil du potentiel là, derrière. Mais ça. Voilà. Fin de volet sauté qui monte à 480. C'est pas mal. En volet haut, c'est pas mal. Duo notoire avec Christiansen, 455.
qui coûte 420 quand même, ça c'est cher. Dribble enfin 375 d'intensité. En dribble, on a dit qu'il était. Ouais, c'est pas un truc de ouf en dribble. Hein. Par contre, le dribble, le duo notoire, c'est pas mal. Passe puissante à 80. Voilà. Bon. C'est dommage qu'il n'a pas au moins une balle basse aussi. Ça aurait été bien. Une balle basse aussi, ça aurait été pas mal. Alors lui, il a deux liens carrément. 15% de chance de déclencher une technique spéciale lors d'une interception automatique d'un allié avec au moins 5 joueurs non japonais de type vert. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Il donne une interception automatique. 15% de chance que ça progue. Donc, et par contre, il faut au moins 5 joueurs non vert. Ça, c'est pas très compliqué. Hein. Tu prends le Schneider Dreamfest V2, tu prends le Margus. Voilà, donc il y a moyen de faire quelque chose de très sympathique. Hein. T'inquiète pas pour trouver 5 joueurs non jap. Mais c'est un link qui est pas mal. C'est un link qui est pas mal du tout que j'apprécie. 15% c'est beaucoup. Hein. 15% c'est beaucoup que ça déclenche une interception automatique d'un coéquipier. Donc c'est pas mal. L'autre link qui donne plus 4% pour tous les joueurs avec exactement 2 joueurs de Golden Mantra de type bleu. Donc moi je ouais, c'est compliqué parce qu'il faut trouver des faut trouver un bon joueur Golden 23 viable aujourd'hui bleu non Jap donc qui fera partie déjà exception parce que si on veut avoir son premier lien et ben ça sera 5 non Jap vert donc 4 en fait parce que plus lui. Un peu compliqué hein, c'est tu peux hein, c'est possible hein, mais un peu compliqué. Il a un shield, voilà, très bien, et c'est un tueur d'endurance face à un défenseur. Pas mal, pas mal, pas mal. Et des pièces Nielsen. Ouais, il est sympathique, le As, mais un peu compliqué si tu veux utiliser tous ces lignes, quoi. Christiansen, qui est attaquant aussi, hein. Attends, As aussi attaquant. Hein. Ouais, attaquant aussi. Ok, les deux. Au cas où s'il est mieux offensif, je sais pas. Je sais pas ce que j'aime pas vu. Alors, 1095 d'endurance. Donc, 8050 en dribble. Pas mal. 606... 6666 tirs. C'est le tir du diable, le truc. C'est le tir du diable. 8580 en passe. Pas mal du tout. Défense. À part l'interception, le reste, c'est sympathique. Mais c'est pas un truc de fou furieux. Par contre, technicité 8123, là c'est bien. En fait, lui, c'est un sort d'attaquant qui va être au service du collectif, en fait. C'est un très bon partenaire, quoi. C'est un très bon partenaire. Pas mal, hein. Franchement, les stats sont pas mauvaises. Les stats sont pas mauvaises. 12% pour tous les joueurs. Donc bon, un lead qui sert à rien aujourd'hui. Hein. C'est pas, on va pas, voilà. Tueur de défenseur face à un défenseur par plus d'importance. Là, c'est intéressant. Là, c'est intéressant. Plus intéressant que notre ami As. Là, c'est intéressant. Centre SRL 455 pour 230 de stam, c'est pas mal du tout. Très très bon. Très très bien. Très très bien. Duo notoire, dribble habile, c'est pas mal. Pas mal, pas mal. Et interception rapide. Interception, ouais, bah c'est bien. C'est bien, c'est bien. Non, il est pas mal. Ce Christensen, pour l'instant, pour moi, il est intéressant, plus intéressant que l'autre. Alors, 15% que voilà que ça prog. Par contre, lui, il est bleu, mais bon. Ok. Ah, joueur japonais en plus. Ouais, donc il va faire partie du joueur exception si tu joues une équipe Jap. Mais bon. Ouais. C'est un peu compliqué, hein. D'accord. Bon, Golden 23, bon, son pote déjà. Son pote qui est à côté, hein, As. Et plus un autre joueur Golden 23. Donc il te faudra un Golden 23 vers. Attends. Oh, c'est super compliqué, les gars. C'est incroyable. Hein. Donc il te faudra des joueurs Jap vert, si possible. Comme ça, t'as optimisé les deux liens. C'est n'importe quoi, les gars. C'est n'importe quoi. Bon, placeur de balle haut pour son ami. Ah, ça, c'était à prévoir. Il a un shield. Et intensité
de la TS sur ballon flottant au plus 5% pour tous les joueurs. Wow! Ah ouais, d'accord. Donc il donne 5% en plus à As. En fait, il te faut les deux, quoi. Si tu veux optimiser le truc, il te faut les deux. Mais du Ja, pas du Ja, parce que l'autre aussi, il a un lien. Non, mais des fois, avec Clap, je comprends pas comment il fonctionne. Je comprends pas comment ils emboîtent les choses et tout. C'est un peu. C'est un petit peu relou, je trouve. Franchement, je trouve ça un petit peu relou. Donc, sur la 30, j'ai fait la multi à 30%. J'ai eu le Müller Stuttgart, le Müller Club. Donc, je suis content. Je suis content, je l'avais pas. C'est très bien. Moi, du moment que j'ai nécessaire New, je suis content. Je suis content. Allez, je vous fais la petite DB. La petite single à une DB. Et c'est là qu'on drop. C'est là qu'on drop. Non, on ne droppera pas. On ne droppera pas, les gars. Oula, pas du tout, même. Pas du tout. Ah oui, il y a le palier. Il y a le palier de Catalunya qui finit bientôt. Bon, allez, je le fais aussi celui-là. C'est jamais, hein. Si le tir de Tsubasa, je pouvais le récupérer et le mettre sur le V2, ça serait pas mal. Non. Et je crois que j'ai un ticket Dreampot. On va l'éclater aussi. Je crois qu'après, on va s'arrêter là, hein. Vous en pensez quoi, les amis? Vous pensez qu'on va s'arrêter là? Les singles, c'est pas ça aujourd'hui. Hein. Les singles, c'est vraiment pas ça aujourd'hui. Ah bah ça, je l'ai pas fait. Allez, hop, voilà. Donc, dites-moi, les amis, hein, ce que vous en pensez de ces deux joueurs Dreamco. Dreamco, ce serait sympathique de savoir. Pépé, ça sert un peu à rien, les ballons noirs Pépé. Bah dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve c'est un peu compliqué de les jouer. Tu peux les jouer. C'est pas mauvais. Christensen, pas mal. Pas mal. J'aime bien. J'aime bien Christensen. Surtout en plus si tu veux l'allier avec Margus Dreamfest aussi. Margus Dreamfest, ça peut le faire. Ça peut le faire. C'est un placeur de ballon en haut. Il va donner 5% en plus sur de stats à. Je crois qu'au joueur qui l'a place, hein. Enfin, voilà. Donc il a donné un boost de 5%. Donc c'est sympathique. C'est sympathique. Moi j'aime bien le Christensen, j'aime bien. Heureusement qu'ils n'ont pas des. Heureusement qu'il n'a pas un link. Il n'a pas des HA par rapport à son pote. Enfin si quand même, mais pas spécifié que pour lui en fait. Et ça c'est intéressant. C'est intéressant. Attends, on va juste le revoir un peu rapidement le HA parce que j'ai un petit peu oublié. Parce que c'est tellement technique, les gars, c'est incroyable. Alors, voilà, c'est ça. L'intensité de la TS sur ballon flottant haut. Plus 5%. En fait, c'est sur l'intensité et pas sur la stat. Je me suis trompé. L'intensité. Donc, ça veut dire qu'il va donner 5% en plus sur l'intensité sur la tête, par exemple, de Margus. Moi, j'aime bien. Ah, j'aime bien le Christensen. Hein. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, 13 minutes. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez sur les deux joueurs Dreamco Golden 23. Espérons au Chado. Je pense qu'au Chado ça va plus tarder. On a eu Bobang. On a les deux Danois. Et il manque plus qu'au Chado. Et là les gars, vous ferez plaisir à la MIF. Au Tchad au PSG, les gars, alors là, ça va craquer des PEL, c'est moi qui vous le dis. Je vous laisse, je vous kiffe, portez-vous bien et pensez à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Activez la petite cloche et mettez un petit like à la vidéo. Et on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo, Captain Tsubasa Dream Team, je vous kiffe, ciao ciao!